Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois branchés sur Anglo-Congo, pour qu'ensemble nous puissions parler de l'actualité politique dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2020. Alors, très rapidement, nous avons un seul sujet, nous allons parler de Monsieur Maître Akeremouna, qui, d'après la presse, a été invité par le chef de l'État à venir se prendre part dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Ça chauffe sur la toile, mais d'une manière générale, c'est bien accueilli. Mais il y a aussi des gens qui se posent la question, pourquoi n'a-t-on pas fait appel à un fils du pays, parce que, semble-t-il, on a de l'expertise dans ce domaine-là. Il est évident que nous allons aborder aussi d'autres questions. Tout dépendra de ce que vous allez soulever comme sujet à préoccupation. Alors, Monsieur Akeremouna. C'est de lui que nous voulons parler, mais laissez-moi d'abord saluer LKD Mujangi Odon, Ado Cordon, pardon, qui est le premier à se brancher, qui dit bonsoir Kulutango Congo, bonsoir, Gustave Lomami, bonjour, Mokondi Abatonioso, bon samedi Anglo Congo, merci beaucoup, Chibango Kabamba, il dit salut Anglo Congo, je dis salut, John Lusanga, il dit hello Anglo Congo, hello my brother, Marcel Bondo, il dit bonjour Anglo Congo, bonjour mon frère. Et puis nous avons les milliardaires, le nouveau milliardaire du moment, Pote Baouli Bofunda, qui me dit bonjour Anglo Congo, je dis bon, et puis me dit bon week-end, merci beaucoup. Je suis en train d'attendre les transferts. Alors, Yvon MK, bonsoir Anglo Congo, bonsoir. Nous avons Henri Mouteba, il dit « Buonasera, fratello, buonasera, gracias. » Là, c'est en italien. Et puis, Bernard Badi Banga qui dit « Bonsoir, papa Anglo. » Je dis « Bonsoir à toi, Bernard. » Vous êtes déjà nombreux là. Et voilà, Philippe de Concessao, il dit « Bon anniversaire, papa Anglo. » Que des bonnes choses devant vous. Merci beaucoup. Marcel Sassimbou, il dit salut Anglo Congo, je dis salut, voilà.
Et puis nous avons Mouking et Blaise qui me dit hi, yeah, hi. Blaise, je t'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas pu t'avoir. Voilà. Nous allons parler de Monsieur Akeremouna, que les gens, enfin, les grands publics congolais découvrent aujourd'hui, en tout cas la majorité des Congolais. Moi, je dois avouer déjà de le départ que j'ai entendu parler de Monsieur Akeremouna il y a de cela plus de 5 ans. Voilà, pour être franc, plus de 5 ans. Excusez-moi, j'ai entendu parler de Monsieur Akeremouna. À l'époque, il était responsable, donc président du Conseil économique, social et culturel au niveau de l'Union européenne, l'Union africaine, pardon. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Monsieur Akeremouna pour la première fois. Et par la suite, bon, j'ai encore entendu parler de lui quand il a commencé, quand il a pris des fonctions au niveau de ce qu'on appelle, c'est quoi encore, le Conseil, non, International Anti-Fraud International Conference, hein, et voilà, et maintenant là. Et puis, quand il était candidat, évidemment, vous savez, il est aussi actif dans la politique camerounaise. C'est un anglophone. Son père fut dans la politique. Son père fut président de l'Assemblée nationale au niveau du Cameroun. Il fut vice-président. C'est un pionnier, un des pionniers de la politique au Cameroun. Voilà. Donc, je peux dire que je connaissais quelques éléments et ensuite j'avais fait mes petites enquêtes sur lui. Voilà. Alors, Monsieur Akeremouna, c'est un panafricain, pour dire vrai, c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. C'est un avocat. Il a étudié à Londres et ensuite il est allé aux États-Unis. Il est rentré au Cameroun. Il s'est inscrit au barreau des avocats au niveau du Cameroun. Par la suite, il en était même devenu le président. Il avait un cabinet d'avocats, bien sûr. Alors, comment il s'est engagé dans la lutte contre la corruption? Alors, pendant qu'il était le patron des barreaux des avocats, il avait des propos contre la corruption du régime de Paul Biya. Vous savez, le Cameroun a été classifié une fois, au moins une fois, comme le premier pays le plus corrompu en Afrique. Alors, il y avait des compagnies, des sociétés étrangères, des investisseurs étrangers qui venaient au Cameroun. Et dès que le gouvernement Cameroun se rendait compte que leur avocat d'affaires, c'était Monsieur Akeremouna ou son cabinet, tout de suite, les portes étaient fermées pour ces investisseurs-là. Alors, ce qui fait que il avait perdu beaucoup de ses clients et il a réfléchi, bon, il a dit, mais je dois combattre la corruption dans ces pays. Heureusement, l'Allemand Peter Hagen va créer Transparency International. C'est comme ça que lui va prendre contact avec Transparency International. Et bon, après avoir lu sur la philosophie de cette organisation, il a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour que Transparency International soit opérationnel au niveau du Cameroun? C'est alors que, après avoir parlé avec eux longuement, ils ont dit, mais tu peux nous représenter là-bas. Donc, il était responsable de l'antenne de Transparency International au niveau du Cameroun. Des années plus tard, il va gravir des échelons pour devenir même le vice-président, hein, mondial. Et c'est comme ça que, finalement, petit à petit, il va avoir la passion, donc,
de la lutte contre la corruption en Afrique qui, il faut le dire, c'est une pandémie à laquelle nous ne prêtons pas attention. En fait, elle est même beaucoup, elle a déjà fait beaucoup plus de victimes que coronavirus en Afrique, donc la corruption. Et en le suivant, il va dire quelque chose. Il dit, vous allez constater partout il y a la corruption, hein, où la corruption est à grande échelle. Vous verrez dans le budget de l'État, la santé, l'éducation, le plus souvent, et même la justice, dans le budget de l'État, on n'alloue pas beaucoup d'argent pour ces ministères ou ces départements. Or, nous savons que ce sont là des ministères clés dans un pays, l'éducation, la santé et la justice pour les développements humains. Et finalement, qu'est-ce que je voulais dire? Après, on fera appel à lui par les panels, hein, de lutte contre le transfert illicite des fonds, hein, venant de l'Afrique, qui était dirigé par Thabo Mbeki, qui à l'époque avait dit plus de 50 milliards de dollars quittent les continents africains et va dans d'autres pays. La RDC était citée parmi les pays où il y a beaucoup de fonds qui vont à l'extérieur. Voilà. Alors, il a été invité aussi par les Nations Unies, où il a travaillé comme consultant. Alors, le chef de l'État a fait appel à ce monsieur qui est connu dans le monde de la lutte contre la corruption. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il fallait faire appel à un Congolais? Et pourquoi on a fait appel à lui? J'aimerais dire, les pays aujourd'hui ou les compagnies, des organisations, des gouvernements font appel aux compétences. Le monde est devenu un gros village et je vais vous donner un exemple pour ne pas aller très loin. Il y a un monsieur, un Ivoirien, monsieur Tidjane Thiam, qui, jusque récemment, il dirigeait les Crédits Suisses. C'est une grande organisation financière. Avant d'aller au Crédit Suisse, ce monsieur était à Londres, où il dirigeait l'une des plus grandes compagnies d'assurance du monde. Plusieurs dizaines de milliards de dollars là-bas. Plusieurs centaines de milliards, voulais-je dire. Ce monsieur Tidjane Thiam, qui est ivoirien, qui a travaillé à un moment donné comme ministre même en Côte d'Ivoire, mais par ses origines, d'un côté, il est aussi sénégalais, de l'autre, il est ivoirien. C'est un cerveau brillant, hein. Le premier ministre d'Angleterre, Monsieur Tony Blair, avait fait de ce monsieur un de ses conseillers. Nous parlons de l'Angleterre, donc des Royaumes-Unis. On avait fait de lui conseiller, hein, Tony Blair avait fait de lui son conseiller. Pourquoi? Parce que par son expertise, il pouvait être utile à cette grande nation de la science, des business. L'Angleterre, c'est une puissance mondiale. Il n'y a pas un pays qui a conquis le monde comme l'Angleterre à l'époque. Donc, avec tout leur prestige, le premier ministre de l'époque, Tony Blair, ne s'était pas gêné de prendre cet Africain francophone parce qu'il a étudié en France, et d'en faire conseiller. J'ai toujours dit, bon, à l'époque je l'avais dit concernant des partis politiques au Congo,
Le monde d'aujourd'hui, quand vous cherchez les succès, l'efficacité, vous pouvez aller chercher ça même jusqu'aux confins du monde. Quand vous prenez des joueurs de football, l'exemple, ce n'est pas peut-être très correct, mais c'est juste pour vous donner une idée. Quand Ronaldo part de Manchester United à Real Madrid, de Real Madrid il va à Juventus de Turin, Ronaldo n'a pas autant de passion pour l'équipe comme Real de Madrid que les fanatiques de Real de Madrid. Il a trouvé des supporters de Real de Madrid. Il est parti. Ses supporters sont restés supporters de Real de Madrid. Mais pourquoi on l'a pris? On aurait pu prendre les supporters qui ont le plus de passion. Non, on l'a pris parce que lui, il peut faire la différence sur le terrain. Avec sa présence, on peut dire qu'on va gagner le match. Et on l'a vu quand il était à Real de Madrid. Donc il y avait des matchs cruciaux où on sentait que grâce à son apport, l'équipe a gagné. Et l'équipe dépense des millions d'euros ou de dollars pour acquérir un tel joueur et pour le maintenir. Quand il est à la Juventus de Turin, ça fait tollé. Après, le président de Juventus de Turin a dit, écoutez, ce monsieur va nous apporter plus d'argent que nous allons lui donner. À cause de sa connaissance, de sa compétence, de ses aptitudes sur le terrain. Ce n'est pas la première expérience. Mobutu avait fait appel à M. Blumenthal. Au Congo, après cette expérience-là, malheureusement, il y a eu aussi une expérience au niveau de l'ONATRA, où il y avait un PDG, un expatrié, qui avait fait un bon travail, mais ça blessait la fierté nationale. Il avait été remercié. Après, lui, jusqu'aujourd'hui, je dis après cet expatrié-là, jusqu'aujourd'hui, l'ONATRA ne s'est jamais relevé. Je pense que avec l'expérience qu'on a eue avec Luzolo Bambi et Joseph Kabila, où on a nommé un conseil spécial en matière de corruption, de lutte contre la corruption, qui avait un budget, qui avait un salaire, qui avait un cabinet. Mais quand on regarde les résultats, on se pose la question si réellement il y avait un conseil spécial en matière de lutte contre la corruption. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir la connaissance. Mais le problème, c'est est-ce qu'on a l'expérience en la matière? Ces messieurs, moi j'ai eu le temps, je vous dis sincèrement, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai eu le temps, pas aujourd'hui, de fouiller. Et d'ailleurs, ça a raté, j'étais en contact avec lui. Malheureusement, en dernière minute, il a jugé bon de ne pas à répondre à nos questions aujourd'hui. Mais dans l'avenir, Dieu voulant, nous l'aurons sur Anglo-Congo. Ce monsieur s'est engagé dans la lutte contre la corruption. Et sur le plan international, on reconnaît qu'il a un parcours exceptionnel. Les jours que il acceptera, je vous dis, je vous donnerai d'autres détails très importants. Mais je vous donne seulement ici l'idée. Le président Félix Tshisekedi, j'étais en train de suivre sa vidéo un jour avant leur retour avec
Vital Kamerhe à Kinshasa après avoir été à Genève et puis à Nairobi. Sur TV5, il avait parlé de la lutte contre la corruption. Et dans beaucoup de ses discours, le président Félix Tshisekedi parle de la lutte contre la corruption. Quand on regarde l'histoire de la RDC en la matière, on doit reconnaître, objectivement parlant, que c'est la première fois qu'on a senti une sorte de tsunami au niveau de la classe politique parce que un chef de l'État, un gouvernement ont décidé que la justice fasse leur travail concernant les gens qui ont détourné les deniers publics. Alors, y a quelqu'un qui m'envoie le message. J'étais en train de dire que c'est pour la première fois. Mais c'est encore à un stade préliminaire. On sent que la classe politique est secouée. Le choix de ces messieurs n'est pas un hasard. Je reprends encore, le choix de Hakeremouna n'est pas un hasard. Il va conseiller le chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. C'est quelqu'un qui connaît un peu les circuits bancaires. Parce qu'il a travaillé comme commissaire aux sanctions au niveau de la BAD, Banque africaine de développement. Parmi les questions que je lui avais posées, malheureusement, il a jugé que ce n'était pas encore le moment. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi lui qui opérait à un niveau international, pourquoi a-t-il accepté de venir travailler à côté d'un chef d'État africain. Nous aurons la réponse dans l'avenir. Je pense que, sans que, si je peux anticiper, la RDC, si la RDC décolle, ça aura un impact sur le continent africain. Mais si la RDC ne décolle pas, la RDC va retarder le développement de l'Afrique. Ce que nous devons comprendre, pour ceux qui font polémique, j'ai même vu, pour le citer, Monsieur Tchani, qui a travaillé à la Banque mondiale, dire qu'on aurait dû chercher privilégié de prendre un fils du pays. Oui, c'est vrai. Mais je vous donne encore l'exemple, comme l'avait dit une fois un ministre, dit, parfois les musiciens, ils sont plus stricts dans le recrutement de nouveaux musiciens, dont les chefs d'orchestre, que des chefs d'entreprise ou des ministres. Vous allez voir que dans les orchestres, on ne prend pas quelqu'un parce qu'il est proche de vous. On prend quelqu'un parce qu'il a le talent et
Avec son talent, ça va faire monter l'orchestre. Vous allez dans le domaine des sports. Mais nous avons un gardien dans l'équipe de V-Club, c'est un Camerounais. Notre pays est peuplé de jeunes. On ne va pas me dire qu'il n'y a aucun, il n'y a pas un Congolais qui peut bien être comme gardien de but de l'équipe de V-Club, que c'est Camerounais. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'expertise, des spécialités, c'est le monde des résultats, c'est le monde des compétitions. Au niveau où se trouve notre pays dans la corruption, et quand je dis cela, je ne dis pas seulement le Congo, le Cameroun dont il est originaire, on connaît, mais là-bas, il est, comment dirais-je, il n'est pas en bon terme avec le régime Biya. D'abord, c'est un anglophone. Quand je dis anglophone, c'est-à-dire il vit dans la partie anglophone, mais c'est un gars bilingue qui parle parfaitement le français, parfaitement l'anglais. Comme c'est un originaire du Cameroun anglophone, ensuite c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Le Cameroun étant un des pays les plus corrompus, lui étant un des grands militants de la lutte contre la corruption, donc il ne peut pas avoir de la place là-bas. Si ces messieurs peuvent venir au Congo, conseiller les chefs de l'État, je pense que ça serait une bonne chose. Mais surtout aussi, que ceux qui seront avec lui, des Congolais, qu'ils apprennent, parce qu'il faut, on doit être humble. Pour l'instant, il n'y a pas un Congolais, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas un Congolais qui est connu dans la lutte contre la corruption autant que ces messieurs. On doit être franc. Prenez Luzolo Bambi, conseiller spécial en matière de sécurité. Il a été payé pour ça. Il a fait des voyages. Ça a coûté au trésor public. Résultat, un gâteau. On prend ces messieurs avec son expertise prouvée, hein, sur terrain. On les place à côté du chef de l'État. Il vous fait un bon travail puisque le Zoloba, mais vous dites non. Le Zoloba, mais à moi, la mboka. Nous devons le prendre parce que c'est le fils du pays. C'est le Lingi. Le professeur Moulumba Lukoji, le Botswana avait fait appel à lui à cause de son expertise, pour qu'il puisse élaborer un plan de développement pour le Botswana. Mais ce n'est pas un Tswana. Pas du tout. Moi, je pense, pour ne pas aller très loin, qu'on doit lui donner la chance de venir conseiller les chefs de l'État en la matière, et surtout aussi dans ce travail-là, qui puisse faire bénéficier aux Congolais son expérience, sa connaissance en la matière. Nous sommes plus au moment de dire tel à tel diplôme, non. Nous sommes au moment où on a besoin des résultats. Et pour ceux qui vivent dans des pays anglophones, ils savent. Ils ont seulement une question quand on veut te donner de l'emploi. Can you deliver? Est-ce que tu peux produire à la fin de la journée ce dont la compagnie a besoin que tu produises?
C'est le plus important. Je vous recommande, pour ceux qui comprennent l'anglais, d'aller sur YouTube, de suivre ses interventions. Vous allez comprendre qu'on a affaire à un monsieur qui s'y connaît. Et ce n'est pas pour rien que les Nations Unies l'ont pris. Quand on prend un Africain, on le met à la tête. Parce qu'il a été vice-président de Transparency International. Alors qu'on connaît l'Afrique en matière de corruption. C'est-à-dire, il doit être bon. Ce que vous entendez aujourd'hui, les détournements, c'est encore rien. Je vous dis, c'est encore rien. Le Congo a connu un boom minier. Tout cet argent, où est-ce qu'il est parti? Les bois qui sortent du Congo tous les jours, je parle du bois, cet argent-là sert à quoi? Parler avec un ami. Vous savez, quand vous combattez, excusez-moi, quand vous combattez la mafia, comme à un moment donné en Italie, les juges qui combattaient la mafia, on les tuait. Avec un ami, on a dit, mais il faut qu'on renforce la sécurité de ces magistrats qui prennent les risques de convoquer les intouchables, de convoquer des gens qui ont amassé beaucoup d'argent. Toucher un Libanais au Congo, c'est pas une mince affaire, hein? Quand vous avez des magistrats qui font cela, mais vous savez combien de coups de fil qu'ils reçoivent, soit parce qu'on veut les corrompre, soit parce qu'on les menace de mort. Ce monsieur, en acceptant un tel travail, il s'expose aussi. Parce que ceux qui détournent de l'argent au Congo, là, ils sont connectés à des grandes mafias à l'extérieur. Hein. Je connais un type, je ne vais pas mentionner son nom, ni les fonctions qu'il a occupées au pays. J'ai parlé avec lui quand on a nommé Thabo Mbeki, enfin, quand on l'a élu, avant qu'il ne soit élu président du Sénat. Ce vieux-là me dira, les gens ne connaissent pas Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, c'est un des rares Congolais qui est branché dans la mafia internationale. Il m'a dit, si le président avait le pouvoir d'empêcher que cet homme-là devienne président du Sénat, ce serait une bonne chose. Ce vieux-là a travaillé pour la Banque mondiale. C'est un professeur d'université. Il a fait la diplomatie secrète. Il m'a dit, Thabo Mbeki que vous voyez là, ce n'est pas, il n'est pas comme les Bouchard. C'est un homme qui a des connexions à l'extérieur, avec la grande mafia à l'extérieur. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez qu'après les rencontres avec les chefs de l'État, ils sont allés faire la restitution au niveau des deux bureaux du Parlement, donc disons du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Et à cela, ils ont associé d'autres gens, des gens, des membres des commissions juridiques de ces deux chambres. Et à la fin, un document devrait sanctionner cette rencontre-là. Il y a des gens qui n'ont pas été d'accord avec les contenus de ce document-là. Ils n'ont pas voulu signer. Il y a le vice-président du Sénat, Sami Badibanga, qui a refusé de signer. Il y a une dame qu'on dit qui serait la fille de Kamitatu, qui a refusé de signer. Et puis, il y a, évidemment, du côté de l'Assemblée nationale, Marc Kaboun qui a aussi refusé de signer. C'est une information que j'ai obtenue de la source même. Comme qui dirait de l'intérieur, comme disent les Ivoiriens. Mais dans le cercle restreint, que dit Thabo Mbamba après ce qu'il a connu? Il dit, lui, avant de mourir, il sera président du Congo. Parce que vous savez, il est l'héritier constitutionnel du président de la République. Les choix de Thabo par Joseph Kabila, qui a écarté des gens de son parti, le PPRD, pour placer cet homme-là, cette position-là, ce n'est pas un hasard. Ça devrait nous faire réfléchir. Dans leur groupe WhatsApp, parce que nous avons accès à cela. Mais des histoires qu'ils racontent, vous dites que ces gens vivent dans un, ils vivent dans un autre pays. Mais je me limite aujourd'hui là. Quand le monsieur sera nommé, on parlera plus. Hein? Je vous dirai, je vais vous donner certains détails, vous allez comprendre. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, pour moi, c'est un bon choix. Il connaît le Congo, les gars, là, il connaît le Congo. Et puis c'est un Africain, en plus. Hein? Donc ça ne devrait pas nous choquer. Bon, je prends les questions, commençant par le bas, les commentaires. Il va mourir sans atteindre cet objectif, dit Kabamba David Maher. Ça, c'est, je crois qu'il parle de Thabo Mbamba. Sylvain Kalumba te dit, la Côte d'Ivoire avait aussi fait appel à Moulumba que je pose son plan quinquennal. Monsieur Noël Tchani devrait bien le savoir en tant que fonctionnaire international. Merci beaucoup. Monsieur Kaloubi dit que le gouvernement a renforcé la sécurité du magistrat qui soula, que je connais personnellement. Merci beaucoup. Monsieur Tata dit, ah bon, Anglo-Congo, il y aura des surprises. Merci beaucoup. Pasteur Léa Louti Capamouedi, Dominique Strauss-Kahn a travaillé dans le monde, dans des conseils, dans plusieurs pays qui ne sont pas la France. Merci. Mais quand, merci beaucoup pour parler de Dominique Strauss-Kahn. Mais quand on parle de Tony Blair, souvent les gens parlent seulement du Rwanda. Mais non, Tony Blair, c'est pas ça, parce qu'il a un cabinet, en fait. Mais ce cabinet-là ne travaille pas seulement pour le Rwanda, il travaille pour d'autres pays africains. Moya Lukoba Honoré, papa Anglo-Congo, merci pour tes analyses édifiantes, que Dieu te garde. Merci beaucoup.
Lobamba n'a rien fait, ça c'est par le pasteur Léa Loti. Lobamba, je pense qu'il avait la bonne foi. Mais qui pouvait laisser Lobamba avoir les mains libres? Qui? C'est pas Joseph Kabila, ni son entourage. Vous savez ce que Bloomberg a publié concernant les intérêts financiers économiques de Joseph Kabila. Aujourd'hui, je vous dis, la plupart des informations là, c'est le travail de l'ambassade des États-Unis au Congo et d'une équipe de ce qu'on appelle aux États-Unis Federal Reserve, c'est quoi? Oui, parce que cette équipe était venue au Congo, dans la Banque nationale des États-Unis. Les noms des gens qui sont sortis là-bas, on ne les connaissait pas. Pas les grands publics. Donc ne soyons pas trop orgueilleux. C'est des choses sérieuses. L'enjeu est de taille. Hein? Qu'on en arrive là, le Congo était parti, qu'on en arrive jusqu'au point là. Vous savez, si vous voulez connaître ce que quelqu'un fait et où sont ses intérêts, il faut suivre le mouvement de son argent. Parce qu'on dépense l'argent que pour des choses qui nous sont importantes. Les services de renseignement, à un point, quand on veut savoir, si on vous suspecte, on cherche à savoir qu'est-ce que vous achetez. On va aller partout où vous allez faire des achats pour savoir qu'est-ce que vous achetez. Parce que là, ça peut être une piste. À qui vous envoyez de l'argent? Avec qui vous faites le business? Donc, l'argent. Vous envoyez pour acquérir quelque chose. Parce que nous ne dépensons de l'argent que pour des choses qui nous sont importantes. Le pasteur dit que les Congolais trouvent toujours à dire, sans réflexion ni analyse, ils trouvent que leur côté négatif des choses. Voilà. Voilà, je n'ai plus de questions. Je saute les salutations, excusez-moi, parce que ça va constiper un peu la réflexion, j'allais dire, mais le direct en fait. Pourquoi les gens ont peur de ces messieurs-là? Donc, il est mordant dans la lutte contre la corruption. Hardi Men Kadima, oui. Vous savez, il a. Bon. Bon, enfin, je peux pas parler. Mais qu'il vienne, et il doit être soutenu, il doit être protégé. Ah, il y a bienvenue Mvula, Mvularisation. Ah, j'aime bien ce nom. Bienvenue Mvularisation, qui me dit bonjour Papa Anglo Congo depuis Rabat. Ah, ni t'étais Corona, je serai au Congo, mais j'allais venir à Casablanca pour une réunion là-bas. Malheureusement, Corona nous a bloqués. Mais ce n'est le Maroc, c'est. Enfin, je suis plus proche du Maroc que tu ne crois. Hein?
J'ai jamais été à la mer, je te dis que je suis plus proche du Maroc que tu ne crois. Allez, Happy Birthday, Frère Timothée, messager London, Chemouze, Dani. Ah, ok, merci beaucoup. Je comprends. Bon, il n'y a plus de questions, c'est pour cela que je commence à prendre tout ce qu'il y a là. Voilà, donc aujourd'hui on va arrêter là. Je n'ai plus de questions. Attendez, il y a quelques questions qui se sont ajoutées. Toponi Congo, il dit, la nomination de ces Camerounais est-ce un signal fort que le président veut vraiment frapper au cœur du système de la mafia congolaise? Oui. Mais aujourd'hui, permettez qu'on se limite là. Parce que je tiens absolument à l'interviewer. Je tiens à cela. Et je vous dis, nous étions à 1 mm. Mais nous l'aurons. Ne vous en faites pas. Parce que si je donne certains détails, ça risque de perturber les choses et compromettre nos chances de l'intérieur. Enfin, nous Anglo-Congo va faire ça, mais nous sommes en train de réfléchir aussi comment d'autres médias pourront approcher pour qu'il explique un peu au public, enfin, que le public les découvre par ses propres mots, hein, pour que lui-même se présente. Toponi Congo, deuxième question, la rencontre. Attendez. La rencontre de Thom Mboumba, Mabunda Diole et Boshab, sans un constitutionnaliste proche du chef de l'État, Jean-Prof Mbata, qu'est-ce que ça augure? Ils tiennent toujours leur fameux congrès. Bon, il faut ajouter aussi Boshab. S'ils tiennent à leur congrès, mais non, ça c'est fait. La Cour s'est déjà prononcée, la Cour constitutionnelle. Mais si on doit pousser la réflexion plus loin, j'ai discuté avec quelqu'un, je dis, Joseph Kabila était certainement au courant de la démarche de la présidence de saisir la Cour constitutionnelle. Qu'on ne se fasse pas d'illusion, le président de la Cour constitutionnelle, est connu comme un kabyliste, entre guillemets, mais c'était. Il est dans la magistrature bien avant que Kabila ne vienne au pouvoir. Pourquoi n'a-t-on pas, pourquoi Joseph Kabila n'a pas averti Thabo Mbeki des résultats de la Cour constitutionnelle. Ou alors, parce que Joseph Kabila et les siens savaient à peu près ce que la Cour va dire. Nous nous sommes dit que quand vous écoutez les propos de Thabo Mbeki, il dit non, bon voilà, le président n'a pas respecté la Constitution, mais nous ne voulons pas faire un problème, nous ne voulons pas de juridisme, on ne veut pas créer des crises. Il parlait, mais en même temps, il mettait de l'eau dans son vin. Et j'avais dit dans les émissions précédentes, est-ce qu'ils sont en train de chercher un dialogue avec le président? Est-ce que c'est un moyen de faire pression sur le président de l'intimider par rapport, hein, aux invitations que la justice a lancées à certaines personnalités? Ces propos
nous font dire que il savait qu'il a très peu de chances d'avoir gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle, parce qu'il n'allait pas rater les chefs de l'État s'il était très sûr que ce dernier a pris un décret qui n'était pas conforme à la Constitution. Thabo Mbamba n'allait pas les rater. Mais pour vous informer, nous, dans nos petites connexions, on avait l'information que les chefs avaient déjà l'approbation de la Cour constitutionnelle, donc l'arrêt là. Mais il a laissé Thabo Mbamba et les siens parler, continuer, et il a même alimenté les débats. Hein? Vous avez vu Kaboul passer, tout ça, les autres réagir. C'était en fait une tactique politique, parce que l'affaire était à la fois très politique. Et il savait que quand il va exhiber cette affaire-là, l'autre aura déjà beaucoup parlé. Et donc, il va se casser les dents. Thabo Mbamba aurait pu ne pas parler, mais il avait déjà commis l'erreur de parler avant. Regardez l'attitude de la dame de l'Assemblée nationale. Elle s'est gardée de faire des déclarations dans la presse. La seule qu'elle avait faite, c'était avec Thabo Mbamba quand ils ont invité le Premier ministre. Mais c'est Thabo Mbamba qui va prendre les devants de cette affaire-là. Dans leur camp, il y avait déjà des gens qui savaient que ça ne va pas aboutir. Alors il fallait trouver un langage pour essayer un peu d'atténuer les choses. Ah non, mais on ne veut pas une crise, tout ça. Parce que les gars sont allés jusqu'à nier qu'ils n'ont pas eu une concertation avec les chefs d'État sur la question. Alors qu'ils en ont parlé. Donc il était déjà parti trop loin. Il voulait maintenant commencer à faire, à reculer petit avec des petits pas, mais c'était trop tard. C'était une erreur politique. Il avait déjà mis son coup dans les pièges et le chef l'a eu. C'est là où je suis en train de me dire que, en tout cas, je commence à croire qu'il y a vraiment une équipe de stratégie autour du chef. Je commence à croire à cela. Autour du chef de l'État, quand je dis chef, chef de l'État. Même quand les gens, vous voyez, il y a des journalistes qui passent, qui parlent de la dissolution du Parlement, qui veulent que ce soit moi qui vous parle. J'ai été, enfin, quelqu'un m'a appelé pour me dire, ah, mais tu as écrit un petit truc où tu dis, après Corona, on doit dissoudre le Parlement. C'est encourageant, oui. Mais en politique, tout acte qu'on veut poser, toute décision doit être suffisamment réfléchie en avance. D'abord, nous sommes, il y a coronavirus, on ne connaît pas exactement quand est-ce que ça va terminer. Donc, dissoudre l'Assemblée pendant cette période, c'est impossible. Parce que 60 jours après, vous devez organiser les élections. Vous allez organiser ça comment? Avec coronavirus? Vous avez vu les dernières élections, je ne sais pas si c'était municipal ou régional, j'ai oublié, en France, en pleine épidémie. Parce que élection, cela sous-entend campagne, cela sous-entend des rencontres, tout ça. Et puis, les gens vont aller voter. Il y aura des attroupements.
La dissolution pendant ce temps ici n'est pas indiquée. Mais cet état d'urgence, ça dérange sérieusement les stratégies de l'autre camp. Parce que l'état d'urgence est justifié. Topolie, comment je vais rentrer sur ta question? Le prof Mbata, bon, je ne sais pas pourquoi il n'était pas là. Est-ce qu'il est membre de la commission juridique, machin? Ça, je ne sais pas. Il pouvait être professeur de loi constitutionnelle sans pour autant entrer dans la dite commission. Ça, coronavirus est venu déranger. Je regrette que nous ayons cette affaire de cette pandémie, mais comme je l'avais dit, ça peut être à l'avantage du chef de l'État, parce que c'est de lui que nous parlons ici. Les autres trouvent que cela lui a servi d'opportunité pour renforcer ce pouvoir. C'est la Constitution qui l'a permis. Et même s'il faut dissoudre, s'il n'y avait pas coronavirus, les hommes politiques, parce que le chef de l'État, c'était un politicien, disons-le, il va pas dissoudre pour que la majorité au Parlement soit une majorité à l'avantage de quelqu'un d'autre. Tout le monde sait que les députés et sénateurs du FCC, pour la plupart, si nous allons aux élections aujourd'hui, ils ne seront pas réélus. Je parle des bonnes élections. Ils ne seront pas réélus. Mais qui vont récupérer cet électorat-là? Excusez-moi, c'est ça l'enjeu. Tout le monde a les yeux sur cet électorat-là. Les gens du FCC, dans leur menace contre les chefs de l'État, ils ont certaines limites. Il y a une seule chose qu'ils craignent, c'est que les chefs les amènent aux élections anticipées. Donc, dissolution de l'Assemblée, et puis, ça, ils craignent ça comme un serpent. Parce qu'ils sont conscients que si on va aux élections législatives anticipées, je peux vous dire que 80%, c'est un chiffre que je donne comme ça, ne seront pas reconduits. Seront pas réélus. Donc, en dépit des menaces qu'ils font, ils vont tout faire que le chef ne puisse pas dissoudre l'Assemblée. C'est-à-dire, lui donner, chaque fois qu'il y a une menace, ils peuvent dire, bon, écoutez, on peut s'attendre. Est-ce qu'on a serré beaucoup de l'autre côté? On peut desserrer. Parce qu'une fois qu'ils sont pas réélus, s'il y a dissolution de l'Assemblée, c'est garanti que pour les deux prochaines législatures, ils vont plus revenir. Ce qui veut dire mort politique pour la plupart. Ce qui veut dire aussi mort politique du FCC. Donc, il peut pas. Je disais, les chefs ne peuvent pas organiser des élections, par exemple, pour qu'Ensemble ait la majorité. Je parle Ensemble comme plateforme. Pour que les MLC aient la majorité. Non, nous sommes en politique, les intérêts sont, comment dirais-je, exclusifs ou même un peu égoïstes. Il ne peut dissoudre que si ses calculs lui montrent que la prochaine majorité lui sera favorable. Parce que si les gens du FCC là perdent, bon, il y a d'autres forces politiques qui ne sont pas forcément du bord du chef de l'État.
Vous prenez l'exemple d'IMLC. Vous avez vu Njoli? Vous avez vu Jean-Jacques Mamba? Ils étaient pour le Congrès. Il n'y a aucune, enfin, il n'y a aucune garantie qu'ils seront du côté du chef de l'État, les MLC. Mais en disant cela, je ne dis pas que cela ne peut pas se faire. Parce que tout est fonction d'intérêt à un moment donné. S'il y a des intérêts communs, ils peuvent s'associer. La seule possibilité qu'a le chef de l'État pour le moment, c'est de voir comment occasionner la migration politique des députés FCC vers enfin, les dépeuplés FCC, pour dire vrai. Vers cash. Avec tous les problèmes qu'on voit au niveau de l'UDPS, moi j'aimerais être vraiment objectif avec vous. Je dis que l'UDPS n'est pas prête, si ces problèmes-là persistent, d'aller aux élections avec tous ces problèmes-là, parce que ça demande un minimum d'unité. L'organisation politique qui me semble a de l'avantage et pourrait tirer profit de la dissolution, c'est l'ensemble, objectivement parlant, l'ensemble de Moïse Katumbi. Il me semble qu'ils sont un peu plus disciplinés. Et quand vous regardez le nombre de députés qu'ils ont au Parlement, ils sont plus nombreux que, plus grands, le nombre plus grand que ceux, par exemple, d'IMLC qui n'est pas dans le gouvernement, mais qui a une sorte d'alliance qui ne dit pas son nom. Avec les FCC. Ça se voit dans la prise des décisions. On voit que les MLC évitent la collision avec les FCC. Monsieur Lungwana, qui a été élu au bureau, ne pouvait être élu qu'avec le soutien du FCC. Ce qui est aussi le cas de Jean-Marc Kabound, Jean-Marc. J'ai dit à un ami, j'ai dit, écoutez, quand ces gens-là disent qu'ils vont avoir la tête de Kabound, l'ami là me dit, mais c'est pas possible. Je dis, non, attention. Il faut réfléchir. Kabound est devenu vice-président du Parlement grâce à la coalition CACH-FCC. Au niveau du Parlement, cela sous-entend, cela s'entend bien. Or, au niveau du Parlement, les faiseurs de lois, ce sont les gens du FCC. Donc, ils peuvent avoir sa tête s'ils veulent. Ça peut se négocier, dire, bon, nous ne voulons pas de lui, il nous a créé des problèmes, et demander au cash, donnez-nous quelqu'un d'autre. Une motion là-bas, les gars peuvent tomber, et on fait des élections. Et les FCC, les cash soutiennent quelqu'un d'autre. Donc, dans cette coalition-là, il y a des, chacun a des faiblesses et des points forts. Hein? Et avant que les chefs de l'État ne puissent dissoudre, il doit s'assurer absolument que j'aurai une majorité qui me sera favorable. Sinon, il va faire le travail pour les autres. Parce que quand ils sont allés à Genève, celui qui était à la tête du plus grand parti de l'opposition, il était favori. Les autres n'ont pas voulu. Donc, au moins par rapport à cette expérience, il va se dire non. À moins qu'il y ait une alliance ferme avec soit les MLC, soit l'ensemble.
60 jours, c'est 2 mois. C'est juste 2 mois. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. C'est des choses qui se calculent, sinon, parce qu'une fois que vous faites la dissolution, ça ne se fait pas 2 fois sous un seul mandat, hein. C'est fini. Si c'est fait, c'est fait, quel que soit le résultat. Et ma question est comme M. Bélé-Bandé. Bon. Je prends qui? Qui dit non, il devrait, tu vois encore, on m'a dit ici, il devrait être poursuivi. Non, je ne pense pas. Et puis, n'oublie pas, c'est là où j'ai dit la limite. C'est-à-dire, Mabunda et Tambo Mamba sont dans la coalition CACH-FCC. Vous engagez, si jamais il y avait possibilité de les poursuivre. Bon. La maison CACH-FCC, la coalition là, va connaître une fissure. Cela sous-entend, bah, le mariage va terminer. Ils peuvent dire, bon, nous nous passons du président de la République. Nous voulons constituer un gouvernement. Il n'a qu'à nommer quelqu'un dans notre groupe. C'est-à-dire quelqu'un que nous allons lui imposer. Pas quelqu'un sur qui va dire non. S'il dit non, alors là, il y a la crise et il doit dissoudre. Pour dire, je vais un premier ministre de mon côté. John Kaloubi dit, est-ce que vous pensez du réfugié du DG de l'ambassade? Ça a été démenti, par ses avocats. Ça a été démenti. Bon, on va chercher à savoir est-ce qu'il y a été ou pas. On saura. Il faut qu'on donne le temps. Bienvenue, voilà l'organisation. Il dit, papa, est-ce que monsieur Lucien Lundula, qui a géré les obsèques du président Tshisekedi, peut devenir directeur de cabinet du président? Bon, je ne sais pas. À part, il a fait bien son travail. Ça, il faut le dire, mais dans cette histoire de l'inhumation du président, des obsèques du président historique de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, pour le citer, il y a à boire et à manger. Mais je ne vais pas en parler, honnêtement. Je connais un peu ce dossier, hein, mais. Certaines choses pour les dire, il faut, pour ne pas gêner certaines personnes. Quand le président Félix Tshisekedi est devenu président, pourquoi il y a eu des reports? Parce qu'il y a eu aussi des reports pour l'enterrement de Félix Tshisekedi. Pourquoi il y a eu des reports? Pourquoi il y a eu ces couacs là? Finalement, c'est l'avion du président togolais qui a ramené le corps du président, de Étienne Tshisekedi au Congo. Un autre jour. Permettez que je n'y entre pas, mais. La conduite des obsèques, c'était bien. Mais il y a des choses, certaines choses, bon. Un jour, et je regrette la mort de Monseigneur, sur cette question, hein, parce qu'avant sa mort, il y avait des réunions d'évaluation sur
les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Mais on va pas entrer dans les détails. Monsieur Patrick Mondi, Jeune Afrique parle de démêlés judiciaires d'accueil liés à un détournement et c'est un embarras qui attend Fatih à Navarre. Bon, il faut préciser, Jeune Afrique parle de détournement. Oui, il ne s'agit pas d'un détournement. Il y a un conflit familial de l'héritage qu'a laissé son père. Et il y a une de ses sœurs qui était très proche du pouvoir en place en Côte d'Ivoire, plutôt au Cameroun, qui a amené, traduit son frère en justice par rapport à ça. Attendez que je vous lise quelque chose qui m'a été envoyé. Le même jeune Afrique qui parle là dit que le monsieur s'était présenté à la justice et que par après sa sœur s'était rendue compte que c'était lui que leur père avait désigné pour s'occuper de l'héritage. Elle a appris 16 ans après sa sœur là. Et cette affaire de la succession a été réglée depuis 2002. On avait promis à sa sœur d'être, de rentrer au gouvernement. C'est comme ça que, pour coincer les gars, fallait trouver quelque chose. Mais encore une fois, laissez pour aujourd'hui que je n'entre pas dans les détails. Mais ce n'est pas une affaire de nature à l'empêcher à assumer ses fonctions, les nouvelles fonctions qu'il veut assumer. Non. Ça a été réglé. C'est vrai qu'il a été condamné à 3 ans de sursis de prison avec, dans une affaire d'héritage, 3 ans de prison avec sursis, c'est vrai, mais il n'a jamais fait la prison, c'est dans ce sous-entendu. Mais c'est une des questions sur laquelle nous allons revenir quand il nous permettra pour qu'il éclaire l'opinion. Mais là, nous vous donnons seulement quelques petits éclairages. Je peux vous dire que son casier judiciaire est bon. Hein, sinon, il n'aurait pas assumé des fonctions au niveau des Nations Unies. Parce que j'en ai. Je suis ailleurs et puis bon. Pasteur Léa Loti dit on est prêt à assassiner le président, mais qu'est-ce que ce dernier peut faire? Bah, moi, je ne dis pas ça, qu'il est prêt à assassiner le président, non. Ne dis pas ça. Je n'ai pas cette information-là, malheureusement. Et puis, qui d'autre? Pangu Congo, est-ce que le président pourra changer les membres de la Cour constitutionnelle? Ah, quand? Ah, quand est-ce que... Bon, c'est quand il trouvera que c'est opportun. Je ne suis pas dans les secrets, moi je ne suis pas dans les cabinets du chef de l'État. Anglo-Congo, greeting from Antigua, Barbuda. Stay blessed and safe. Thank you for subtle analysis as usually. Thank you. Yeah. Bon. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Ah, Katende dit, il a un problème de connexion. Bon, je ne perds rien. Moi, en tout cas, ici, apparemment, les choses vont bien.
Je voudrais répondre à qui là, et puis je clôture. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose ici. Ah, c'est comme s'il a effacé ça lui-même. Hein. Cette personne-là, elle est sur une bonne piste. Ah, Yvon MK, il dit, selon d'autres sources, il serait la recommandation des USA. Ça, c'est Yvon MK. Bon, on en parlera. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Timo Provision, il dit, regardez, en gros, regardez ma question. Mais elle est où, Timo? Elle est où ta question? Ah, Timo dit, quelles sont les possibilités ou soit quelle direction ou dans quel secteur que messieurs pourraient commencer pour éradiquer ou arrêter cette hémorragie selon vous, Anglo Congo. Mais mon frère, toutes les banques qui ont foisonné au Congo, là, la plupart, c'est des histoires de blanchiment d'argent qui facilitent les transferts illicites des fonds. C'est un exemple que je donne, mais je ne connais pas son programme. C'est un exemple que je vous donne. Tout ce bambou ah bah tiens, on se dit dans Robank, et puis Robank fait un transfert, ça va dans une banque au Liban. Hein. Ce sont des portes de sortie à Bambou. Ok. Il y a aussi l'association des banques, Robank, répondre devant la justice. Et ça, c'est quelque chose. C'est pour cela que vous avez ces banques-là. Ils ont salamé tout ce temps ici, toutes ces banques-là. À Gombe, on a moins d'espace, on a tellement de banques et bien. Alright. Bon, merci. Continuez à prier pour notre pays. Maman Falanga, je vais lire votre lien ou link après, parce que là, je ne vois pas. On verra si on peut exploiter ça la prochaine fois. Allez. Permettez que j'aille dormir. Je me sens cassé. Il est 2 heures passées chez moi. 2 heures du matin. L'arrivée de ces gars-là va accélérer des choses. C'est pas quelqu'un qui vient main vide. Il vient avec des dossiers prêts. Alright. Bye bye.